Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour le dernier booster de la semaine. Donc le fameux booster, je ne sais toujours pas ce que c'est, donc soit Destiné Futur, soit Explorateur Obscur, version coréenne, donc que j'avais acheté sur un vide-grenier. Donc voilà, comme ça nous fait un peu un booster différent. À noter d'ailleurs que eux, genre, ils doivent les avoir pendus comme ça dans leur supermarché. Bah voilà, sinon bah, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça a été personnellement. Alors, du coup je prends des ciseaux hein, parce que je suis pas doué. Personnellement ça va, après, enfin. En gros, j'ai travaillé sur des traitements de signaux de son. Et enfin bref, j'avais des signaux de trompette et de batterie. Et donc, je voulais les filtrer un peu. Et en fait, genre, le rendu, ça m'a rendu un espèce de bruit de mitraillette horrible. Donc, j'ai dû totalement faire n'importe quoi. Donc voilà. Donc, mon bilan de la journée n'était pas terrible, terrible. Mais bon, enfin, c'était amusant de voir le résultat quand on s'attend pas du tout à ça. Oh, purée, horrible. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est super dur en fait, hein. Je sais pas si je vais pas plutôt essayer de l'ouvrir normalement, mais. Enfin, je vois pas. Ou alors par en bas. La vache, j'arrive vraiment pas. Je sais vraiment pas du tout comment faire pour ouvrir ce booster. Et... Allez, allez. Non bah écoutez, je vais faire une mini pause juste pour ouvrir la languette du dessus. Hein. On se retrouve tout de suite, je vais faire juste l'ouverture de ça. Hop voilà, bon j'ai littéralement mis 3 minutes à faire genre 1 cm et puis bim d'un coup ça a bien marché. Donc je devais peut-être m'y prendre trop bas, je sais pas. Enfin bref, là voilà, comme ça je le garde en un seul morceau et je vais essayer de sortir les cartes du coup. Je sais pas s'il y a un tri à faire ou pas. Si c'est comme les cartes japonaises, je crois qu'il faut juste en fait mettre la bonne carte, ça doit être celle-là. Elles sont méga, comment? Genre, pas épaisses en fait, les cartes, ça me fait bizarre. Allez, c'est parti. Donc on espère... Franchement, j'aimerais bien avoir une holo, parce que les holos de noir et blanc sont super, super jolies. Donc ouais, du coup, j'ai pas de code online à vous donner. Faire une mise au point. Oh là là. C'est pas terrible cette mise au point, mais bon, c'est pas grave. Alors, Rwagada. Chauve-souris. Alors, du coup, ouais, la série. Ça m'a tout l'air d'être Destiné Futur. Hein. Ouais, c'est Destiné Futur. Le Vénard, qui est ma série préférée. Hein. Tiplouf et Lac Messine. Ok, bon, écoutez, on n'a même pas de rare. Enfin, de rare. D'holographie, parce qu'il n'y a pas de rare hein, dans ces boosters-là. Mais on n'a même pas d'holographique ni d'ultra. C'est vraiment pas un bon booster. Mais bon, enfin voilà, ça m'a fait plaisir de l'ouvrir en tout cas, parce que c'est du Destiné Futur. Et c'est ma série préférée, donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi toute la semaine. Dimanche, il y aura une grosse ouverture du coffret Raichu de Légende Brillante. Après, je ne sais pas encore à quelle heure elle paraîtra en ligne, puisque à mon avis, j'arriverai pas à l'upload. Depuis chez Madame Sico, et donc du coup, il va falloir que j'attende d'être rentré dimanche soir à Marseille pour l'uploader parce qu'à Marseille ça va méga méga vite. Enfin, vraiment, une vidéo de 10 minutes, elle met bah, même 3 minutes pour s'uploader, hein. C'est vraiment très rapide. Donc, je pense qu'elle risque de sortir dimanche soir, mais assez tard. Enfin, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. Et puis, bah, du coup, on espère piocher une ultra la semaine prochaine quand même. Hein. Allez, bye tout le monde.